Alors me voilà à la sortie de Yazd pour reprendre le stop pour Banderabas. En fait, je viens d'apprendre que pour faire du stop ici, il faut faire ça. Et non, non lever le pouce, en fait c'est une insulte de lever le pouce. Donc voilà, j'ai passé 5 jours à Yazd, c'est vraiment une très très belle ville. Et maintenant je me dirige vers le sud du pays, le golfe Persique. Me revoilà à Yazd. Ce matin, ça n'a pas bien marché du tout. En fait, ici, l'autostop, c'est payant. Chaque voiture est un taxi potentiel, en fait. Et du coup, les gens ne comprenaient pas trop ce que je voulais faire exactement. Soit ils me demandaient beaucoup d'argent, ou soit ils me disaient bus, train. Au final, vraiment, vraiment très compliqué. Et bah, à la fin, en fait, il y en a un qui m'a carrément payé le bus parce qu'il voulait pas me laisser comme ça dans la galère. Donc ce soir je pars à 8h30 pour Banderabas et il y a 11h de bus. Ça va être très long, mais bon, voilà. Bienvenue dans le golfe Persique.
suis à Bandar Abbas depuis hier. J'ai réussi à avoir mon ticket pour les Émirats. Donc j'ai traversé le détroit d'Ormuz, qui est là, qui est juste là. D'un côté c'est l'Iran, de l'autre côté c'est les Émirats. Donc je vais atterrir pas très loin de Dubaï. Et en attendant, j'attends quoi, parce que c'est pas mon embarcation n'est pas avant demain. Demain soir. Parce que le détroit d'Ormuz se traverse le soir parce que c'est insupportable comme climat. C'est très chaud et très humide. J'ai même du mal à respirer tellement c'est humide. Donc voilà, je vais visiter un peu la ville. Bon, il n'y a pas grand chose à voir dans cette ville, mais c'est plutôt quand même intéressant. Je viens de faire le bazar et on voit beaucoup de femmes donc voilées, comme d'habitude en Iran, mais avec un masque. Alors je sais pas si c'est une tradition ou si c'est par religion qu'elles le portent, mais c'est assez intéressant.